Facebook, Instagram, il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est les objectifs avoués qu'on avoue aux gens de tous les jours. C'est-à-dire, c'est super bien, vous allez rencontrer des amis, vous allez vous entreconnaître, vous allez partager des choses. C'est exceptionnel, c'est bien, tout le monde adhère. Mais il y a des objectifs inavoués aussi dans ce genre de process. Mmh. Ce qui veut dire la base de données, la data, tout ce qui va être récolte d'informations qui vont jouer demain contre vous. Mais vous êtes pas pour le moment au courant de ça parce qu'on ne vous a pas informé de ce qu'on va faire et de comment on va utiliser ça. Il y a ce qu'on appelle la création d'une structure d'analyse de données. Hein? On crée une data center ou plusieurs, on récupère les données. Parce que quand on est dans le cloud, c'est pas le nuage dans le ciel. Hein. C'est dans des bases de données informatiques, dans des serveurs conservés. C'est ça le cloud. Hein. Donc, quand on a récupéré les informations des Européens, les Américains, Microsoft, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des sociétés d'analyse de data. C'est très simple. On crée une structure, on y met des bots, et les bots vont se charger du travail. C'est-à-dire que chaque individu, en fonction de ces informations, il y aura un micro-robot qui va vous suivre à la trace. Tout ce que vous faites, dans les toilettes, quand vous mangez, de sorte qu'il va vous proposer des choses que vous aimez, et demain, il va vous proposer des choses que vous n'avez même pas suggérées. C'est-à-dire qu'il va apprendre à vous connaître tellement qu'il va vous proposer des choses qu'il est sûr que vous allez aimer. Et vous allez parfois vous retrouver à cliquer sur des trucs que vous n'avez pas demandé, mais qui correspondent exactement à ce que vous voulez. Cette formation m'a permis avant tout, comme j'aime partager avec la jeunesse, de pouvoir sensibiliser la jeunesse à travers les défis qu'ils peuvent rencontrer dans les réseaux sociaux. L'intelligence artificielle m'a permis aujourd'hui d'être créative et d'être engagée. Ça va me permettre demain de développer ça chez moi. Les exemples qu'on avait découverts hier, ça m'a donné le goût d'approfondir mes études, ça m'a donné l'ambition aussi. La cybersécurité qui nous a permis de sécuriser nos données et l'IA, l'avancée de l'IA dans le monde, la place de l'IA dans nos vies quotidiennes. J'aimerais bien participer au développement de mon pays, partager la connaissance que j'ai acquérie ici et le faire pour le bien d'autrui. Parce que c'est ça mon rêve et bon, j'aime bien aussi travailler dans la cybersécurité, d'où ma présence ici dans cette school. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour échanger avec les jeunes venus de partout du Sénégal pour participer à la semaine du digital. Donc, j'ai constaté ici que les jeunes étaient très engagés à contribuer réellement au développement de l'Afrique, mais en passant par les métiers du digital. J'ai beaucoup appris ici en échangeant avec les jeunes et ça nous donne encore vraiment le courage de continuer ce que nous sommes en train de faire pour accompagner les jeunes. Parce que tout ce qu'ils ont appris ici, ils vont échanger au retour dans leur terroir avec d'autres jeunes qui vont eux aussi être inspirés et s'ils auront besoin d'autres compétences, d'approfondir, revenir ici et apprendre. Donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui et nous remercions vraiment tous les partenaires d'avoir rendu tout ça possible. Maintenant, tous ces défis-là, c'est à qui de régler ce problème? Vous êtes la jeunesse, vous êtes l'avenir de ce pays. Vous êtes notre espoir. Vous êtes la réponse dont rêvaient nos founding fathers, nos pères fondateurs. À part vous, on n'a personne. Hein? Soit vous décidez de prendre votre avenir en main et recréer, réécrire l'histoire de l'Afrique, ou bien, comme il a bien dit, hein, on accepte juste de subir encore. Je pense que c'est avec cette digitalisation-là, ça va être pire que le slavery. On a raté la première révolution, deuxième révolution, troisième révolution, mais ça là, c'est pire même que slavery. Hein. L'esclavage, ça c'est pire. Vous voyez, parfois, vous restez dans votre téléphone 9 heures de temps, vous ne pouvez même pas aller manger quoi. Et vous ne faites rien. Oubliez les prières et tout. Hein. Il n'y a pas de priorité. Ça dit toute la journée sur YouTube, Instagram, Snapchat. Et tu es en train de perdre tellement de temps et tu réfléchis, tu n'y penses même pas.
Comment on va construire notre avenir dans ça? Mais moi, j'étais frustré, quoi. Il n'y a pas assez d'école digitale, il n'y a rien sur l'artificial intelligence, le programming, anything in robotics, rien du tout. J'ai dit, mais écoute, il y a des modules en ligne, il faut que j'aille maintenant à Paris. J'ai vu Open Classroom, j'ai vu Microsoft, j'ai vu tous ces gens-là pour faire des partenariats pour vous. Pour que moi, ce que je n'ai pas, vous aurez ça. Pour nous aider à régler les problèmes de demain, les problèmes qui nous attendent, pour préparer nos enfants.